Salut à tous, c'est TheSkiller40. Aujourd'hui, je viens à vous pour tourner ma nouvelle FAQ en compagnie de mon caméraman Emilien. Voilà, donc je vais lire les questions et y répondre aussitôt. Gant tactile, toujours. Toujours avoir un gant tactile à disposition. Première question, Vincent Labadie. Est-ce que ta chaîne se basera que sur du vélo ou tu posteras quelque chose d'autre type délire? Gaz à toi. Alors gaz à toi aussi. Et pour ce qui est de la chaîne, j'ai déjà fait plusieurs rassemblements moto à Mont-de-Marsan. Il y a eu 3 épisodes il me semble. Je pense que je continuerai à faire tourner ma chaîne avec des vidéos vélo, des vidéos moto, des voyages si j'en fais. Et puis des vidéos délire, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je pense que j'en ferai une grosse vidéo délire, mais il y aura de quoi faire. Il y aura de tout dans la chaîne, vélo, moto, un peu de tout. Deuxième question, Alex Bonnet, montre-nous tes équipements et les détails de ton bike. Bon, l'équipement, je vous le montre pas en entier parce que c'est en cours de transition. Parce que pour l'instant, j'ai le pantalon, pas le maillot et des gants, faut que j'en rachète parce qu'ils commencent à faire un peu la gueule. Troisième question, Axel Le Bigre. Le VTT restera-t-il uniquement une passion ou envisages-tu des choses plus sérieuses comme de la compétition? Et sur quoi comptes-tu partir après Euricus? Et rends l'argent aux abonnés. Bon, déjà, le troisième, je n'y répondrai pas. Je ne rends l'argent à personne. Et pour répondre à la première question, j'aimerais. Dans le futur, je pense que je me ferai peut-être de la compétition si j'en ai l'occasion. Et sur quoi comptes-tu partir après l'Eurucus? Eh bien, après mon Eurucus, franchement, je sais pas. Parce que je suis intéressé par plein de spécialisés, les démo 8 qui sont magnifiques. Recté Technologies aussi, il y en a des vachement beaux. Et franchement, je sais pas encore. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir après l'Eurucus. Quatrième question, Nathan Brunet. Un autre vélo en vue? Feras-tu des produits dérivés de Skiller? Pour le vélo en vue, pour l'instant non. Et pour ce qui est des produits dérivés de Skiller, j'en avais parlé sur ma page il y a un petit bout de temps. J'ai vu avec des potes à moi, je vais lancer des autocollants. Donc je vais faire des petits logos et des gros logos. Et que je vendrai pas, je les distribuerai comme ça à ceux qui sont intéressés. Et puis après, pourquoi pas dans le futur, faire peut-être des petits t-shirts personnalisés, des pulls, ou je sais pas encore. Cinquième question, Fabien Nounours Larieux. Combien de temps dures-tu en wheeling? Tu gères, mec. Alors, tout d'abord, merci. Et combien de temps je dure en wheeling? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais sinon, la distance exacte en wheeling, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai jamais mesuré ou quoi loin, mais je sais pas combien. Je vais pas me vanter, je sais pas. Je vais pas vous dire de conneries, quoi. Sixième question. Cameron Gaz, d'autres passions que le vélo? J'aime bien faire du dessin, j'aime bien faire des petits graffitis, j'aime bien la cuisine aussi. Moi je maîtrise à merveille le steak pâte, sinon c'est vélo, dessin et la bouffe. Ouais, la bouffe surtout. Dernière question de Michael Rezende. Pourquoi un vélo et pas une moto? Tu gères, continue. Merci beaucoup. Et pourquoi un vélo et pas une moto? D'abord parce que c'est pas le même budget. C'est moins cher, ça me revient moins cher de rouler en vélo que si je devais rouler en moto, quoi. Après sûrement que dans le futur j'aurai une moto. Mais vraiment le vélo, franchement c'est un bon compromis. Rouler tranquille, j'ai pas beaucoup de frais à faire. Petit par passion parce que le vélo, c'est là, quoi. Bon, c'est la fin. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé les questions. Merci à Emilien d'être venu me filmer et pour ta patience, parce qu'on m'aura chié. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Partagez cette FAQ, continuez à faire ce que vous faites sur la chaîne, vous abonner, liker, enfin vous savez ce que je veux dire. Allez, ciao!